Yathrib. On répète Yathrib. C'était pas Madina, c'était Yathrib. Quand le prophète est rentré ici, sallallahu alayhi wa sallam, alakirat domin kelaya, ni makaka ou tuma kwa kafara, an Aboubakar Siriki domin kelaya, dougou toro changé la akela Madina tul munawwara, noroso, an namin kelaya an Aboubakar Siriki, Madina kaw ka labin, beka labin ni lame, il a été accueilli par les Médinois, les deux grandes tribus, Al-Aws wal Khazraj. Le prophète vient chez moi. Ma place où je vais m'installer. Nyome Mousso Nana, Anana Sigilayani. C'est ici la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posée. Pourquoi? On doit se poser la question. Nyome Mousso Nana. Innaha Ma'amoura, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné l'autorisation. Allah le ka Nyome Mousso Nyamaria, Kwayena Kana Sigia. Donc la place a été choisie par Allah lui-même d'abord. Quand le prophète il est venu, Nyome Mousso Sigilayani. Mais ici là à l'époque, on séchait les dates ici à l'époque. Ici là aussi, c'était pour deux orphelins. Sahal wa Souhail. Yann tué Feretanou Talé, Feretanou Fla. Sahal Ali Souhail. Bon, comme il a la kira la Nyome Mousso Sigilayani. Mais c'est un loya, yann de tantae. D'ici. Parce que Akayane soit comme ici pour l'auteur. On y a fait cela, Mahouma. Alors, tu as la caméra. La mosquée, la partie, la construction, la participer. Sa maison était là et la maison de tout. C'est là, il y a un petit paquet de choses pour ça. Il a été accueilli par les Médinois. Trop crier, il faut pas insulter les gens, parce qu'il faut te dire toujours que ton prophète est enterré ici, que Allah facilite. Donc c'est un endroit sacré, les trois grandes mosquées du monde que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, c'est la deuxième mosquée après Al-Kaaba, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah kofo aflana neyaye doni Allah kam misri ni yeli noyaye ya fo. Tu as pu visiter la mosquée du prophète et tu as même fait la prière de Fajr dedans aujourd'hui et la prière de Zuhur. Et c'est là, c'est Fajr, c'est là qu'on a. Et quand l'anzara fanase là, et c'est le fanase là qu'on a. Ame ala dali, ankata wati minu kalea. Ka ala dien ka selu noyambe ala mokela. Anye miri doni. Aou katiden segeni mbabo la makaka. Na segeni, il était fatigué. Madina ka ou ka nyon la benyane. Tamarozu ou le tumea. Otumelo tamarozu ne kanga yoro laje bi awiye ni yoro mafle baraka be salam ala re ala kira ya wati la ni bi ni ka sahaba do la kun bi ka yan yira ka lafo kun ko yante amala dali ala ma anshi barakala kaburu so tuma ya du kerefe ola kala salamu ka kaburu so bele bele foloy
avec Kabourso Mako Al-Baqi'a, le premier grand cimetière des musulmans qui a été inauguré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa femme Aïcha est enterrée là-bas. Presque toutes ses femmes, Khadija, elle est décédée avant Khadija Banamine. Maka, le prophète n'était pas encore là. Donc elle est décédée à la Mecque, à Soudola. Moussa Taout Mémine, Madina. Donc, Allah Kera Moussa Taout Béla Kafouni, Klantia Bé, Amba Aïcha, Albert Soudola, Kabourso Mina, Aménase. Aïcha, elle est tuée face à Souye, là, tiens le Coran. Elle voulait que son corps soit enterré à côté de son mari, n'est-ce pas? Mais qui a pris la place? Omar était malade. Il a été blessé. Omar dit à Aïcha, s'il te plaît, il a envoyé son fils. Si je meurs là, j'aimerais être enterré à côté du prophète et Abou Bakr. Et pourtant, l'endroit là, Aïcha avait réservé l'endroit là pour elle. Parce que son papa Abou Bakr est là, son mari Mohamed est là. À Tungani, il m'a allé. Mais est-ce que Omar il a enlevé? Il a bien fait. Depuis ce jour-là, Aïcha, la nuit, son papa et son mari, c'était dans sa chambre à côté. Elle portait pyjama pour se promener. Mais depuis que Omar a été enterré là-bas, je n'ai plus porté la pyjama. A tout me toi qu'à la fanine de son. A fourchel l'anime romina anafa. Mais depuis Omar Sunan ala okoro, a koko ta ka sunro fanine de tuni kana. Parce que elle est maloya. Ala ma noya la. Ni misir belebele. Misir mi. Ni ala ou ta la ya di Muhammaduma. A toko la la kira yere la. Na be fwa mako ala kira ka misiri. Mais ni te misiri foloye. C'est pas la première mosquée qu'il a construit. On va visiter ça aussi, Inch'Allah. La première mosquée qu'il a construit quand il est rentré à Médine, à la rentrée, on va visiter ça, Inch'Allah. Mais c'est ici qui est sa mosquée. C'est ici qui est sa maison. C'est ici qu'il sortait la nuit souvent pour aller voir tel Sahaba, pour aller voir tel Sahaba. À l'époque, Pharaon le Touméa, c'était des grottes. Mais aujourd'hui, Allah il a mis la baraka parce que le prophète est venu ici. Aujourd'hui, regardez Médine comme ça brille. Tu ne veux même pas quitter. Qu'Allah facilite. Donc, on va marcher tout doucement comme il y a des vieilles personnes avec nous. On va aller vers Baqi'a, vers le cimetière et vers la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah facilite. Est-ce que vous êtes prêts pour nous dire salam alaykoum? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, le prophète vous attend, Inch'Allah. Alors, Allah, comme ça, c'est un peu comme ça, un niwati, que l'ingélinam bella kafonina. Kana ni misiri belebele usega. Kana oyera koko oyera bojulu muna. Damfe mfoye dafanite. Nisoye so barakama baye. Barakama uchima. Kani nyeni noya salama bela kafuni alamu kela. Diya salama kilengile nambe. Penaya. Abe adamade njidi limanyani alanya saranyala. Kadaka fosi teke ya nifu alabato. Fosi teke ya nifu alabato alakumalo. Ni alakumalo yorodronde. Nous sommes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, dans une nation RMA. Qui n'a mis qu'à nous, 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 qu'à nous. Ni Fanny Padiali, il est qu'à nous, qu'à nous, qu'à nous, qu'à nous. Il y a qu'à nous, qu'à nous, qu'à nous, qu'à nous, qu'à nous, qu'à nous, qu'à nous. Monsieur Kamara, qu'à nous, 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 qu'à nous. Donc on y a la travail. Chaque bérété, on remercie Dieu. Monsieur Dosso, nous sommes chez le prophète. Maman. Prophète Boramaka a cédé pas. Ça va. Alors, je suis là. 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 Je suis là.
Allah Ta'ala ya don ka fo ki tamme ki yere se sega mi fana me farla ne ne ma ya masini jama na ma don ko ni sega bi na kam la surna dolie an yarba na ta farkulo ye sega kat meniga mais souvent on est pressé, on est fatigué, on veut rentrer pour dormir. Au paradis, on ne dort pas là-bas. C'est le repos total. C'est-à-dire là-bas, on est toujours en forme. Mais ici, il faut se donner. La facilité. Amen. Donc la maman, on peut aller. Inch'Allah. On dit des choses, il faut mémoriser. On dit Médine était pour deux grandes tribus. Médine était pour deux grandes tribus. Al-Aus ou Al-Khazraj. Donc, c'est des choses qu'il faut retenir beaucoup. Donc, ce sont eux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de Al-Akhir al-Labé. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Je vais expliquer quelque chose aussi que souvent les gens ne comprennent pas. Ceux qui sont habillés comme ça, dans leur ihram, ici on ne fait pas la umra ni le hajj. Ceux qui sont habillés comme ça, étant Médine ici, ça n'a pas de sens. C'est lorsque nous quittons Médine pour aller à la Mecque, on va s'habiller comme ça, nous les hommes. On va formuler l'intention. En sortant, on sort maintenant avec l'intention de umra. Les hommes aussi, si on porte al-ihram, pas de parfum, sur ton ihram. Si tu portes al-ihram, tu dois plus couper tes ongles. Si tu portes al-ihram, tu dois laisser ta femme. Dès que tu portes là, tout est interdit sauf l'adoration. Quand tu accomplis la mission, tu peux maintenant enlever. Après avoir te coiffé, on prend la douche maintenant. On porte les habits comme ça. Et c'est fini. Donc, ni aouchaoukaouka iramudo. Ma fonga kono fode, on peut la saluer. N'yale? Ebrame? Voilà, on peut la saluer. Allah noya. Voilà. On dit ici là, c'était pour qui? Le propriétaire de cette. Les deux orphelins. Yatimade ou Tale Tumeyae. Autant dit. Sal et Souhaïl. Inch'Allah. Une autre question. Cette mosquée, elle a quel âge? S'il vous plaît, la mosquée du prophète. 1445. Parce que le prophète est quitté à la Mecque pour venir à Médine. C'est même année que la mosquée a été construite. Donc, il faut toujours prendre la date. Exactement. Le calendrier musulman a commencé lorsque le prophète est quitté à la Mecque pour venir ici. Misri ni l'a sawa kele ani san kemenani ani binani lol. Misri ni l'a asan sawa kele san binani. Sawa kele san binani ani binani lol. 1445, hein? Thank you.
Oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'est pas de Médine, mais il est médinois. Le prophète est né à la Mecque, grandi à la Mecque, jusqu'à ses 53 ans. Lorsqu'il a été chassé, on voulait le tuer, il est venu ici. Donc il est de la Mecque, il est né à la Mecque, il a grandi à la Mecque jusqu'à ses 53 ans. Alors qu'il a sorti la Makale, à Wolola Makale, Makakale, il faut assister là sans bilorouni, ça va. Makaka ou Kagwa Nanaya, à Kassantandro Nekan, il a fait seulement 10 ans à Médine. Mais il se réclame médinois. Vous êtes au loin, n'est-ce pas? Oui? Nous, on se réclame. Nous, les Allemands. Les Français sont là. Les Français sont là. Donc, le prophète, il se réclame médinois, sinon il est de la Mecque. Madina Kale, mais Makakale, Aoula Makale. Neutralisé alors. Hein? Neutralisé médinois. Il a dit, à quoi Madina Kauma? Il dit aux Médinois, si on trace deux chemins, que le monde prend un chemin et le Médinois prend l'autre chemin, je vais suivre le Médinois. Il était fier d'être Médinois, malgré il est de la Mecque, parce que les Mecquois l'ont tout fait du mal. Il est venu, il a été accueilli avec ses disciples, avec Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, et tous ils étaient là. Ils se sont installés là. Ils ont eu des familles ici. Le prophète était avec toutes ces femmes ici, dans cette maison ici. Donc, on comprend ou pas? Le prophète, il est de la Mecque. C'est connu. Mais le prophète, il s'est réclamé médinois. Il a fait seulement 10 ans. Il a eu 63 ans. 53 à la Mecque, 10 ans ici. Et cette question, je vais la poser prochainement. Le prof, Allah qui est sur la akasambi oroni ça va le akasamwan sambi oroni ça va que maka, sambi oroni ça va akoke maka, sambi oroni ça va maka, akasantandoro neke madina, ni katam fara bi oroni ça va kamaka bi oroni ça va, bi oroni ça va yorodma, maka, santan yorodma, donc anyoto, mais on impose au kuna. Si je pose la question, celui qui va avoir une réponse. Makakali. T'as pas de question? Ok. Vous êtes chez le prophète, si vous ne posez pas la question. Hein? Sahal et Souhaïl. Les orphelins, là, les propriétaires d'ici, là, n'auront-ils très fréquentiné? En arabe, on dit Sahal, là, ni comme Sahal. Comme une sonoma. Ça, le correct, comme une sonoma. Ça veut dire la chose qui est facile. Oui. Non, tout ici, il a fait haram. Fait partie des haram. Mais quand tu viens, faut rentrer dedans. La prière, c'est la discipline. Ni nana fier doit akonole. Non, non, là, tu veux se lire. Yambe haramouné. Afamouna? Yambe haramayorale. Yambe haramayorale. Est-ce qu'il y a Kalama Kafoko Al-Mamimba Dobe afin d'entrer Madina Kali, un grand imam parmi les quatre grands imams Al-Mamimbelebele Nani, Imam Maliki, Imam Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal. Imam Maliki, tu es Kiti Tigala Bale, c'est un grand savant de Médine. Na tu mets de Madina Kono, quand il rentre à Médine là, Abala Samra Boasena, il enlevait sa chaussure. Sa monture là, Ayan Yomé Atunte Yelaka. Atumetama senakolon ateyela la nyomeka. Okopi mona imam ute, tu marches pieds nus, tu montes pas aussi sur ta montre.
kera sudon me yoromi ale samara do asena katama odukan ale skala burfeka fana ou le porter enterré comment lui peut porter ses chaussures et monter aussi sur sa monture. Ils ont respecté le prophète, ils ont respecté aussi Médine. C'est une ville sacrée. Somine lioroma so bade. Anya djija, anya soninka lioroma dama. Anya do ni makabolaye. Ni makabolaye. Misiri dino. Ala ma no yala. OK. La maman, vous êtes devenu mashallah. Hein? Maman connaît. Oui. Tout ici là maintenant c'est la mosquée. Bien sûr. Toutes les mosquées ont des cours. Papa a posé une très belle question. Mais tout ici là, ça fait partie de la mosquée. Inch'Allah. Maintenant, à la Mecque aussi, on va avoir les mêmes questions. La Mecque, Al-Haram, est tellement large, ça peut quitter ici jusqu'à ce que où ils sont allés nous prendre vers l'aéroport. De bout en bout, c'est combien de kilomètres? Non, c'est loin. C'est écrit, mais je ne mémorise pas ça. Donc, Aminata, bon, Allah qui est la Bundala. On va aller voir sa maison, mais on ne va pas rentrer. On va vous montrer seulement. On ne voit pas la maison du prophète comme ça, il faut être concentré. Est-ce que vous êtes concentré? Ils ne sont pas encore. Le prophète, il était dans quelle maison? Il est décédé dans quelle maison? À Salabou, il est là. Aïcha Labon. Il est décédé dans la maison de Assoudo Labon, il est là. Il a été enterré dans quelle maison? Aïcha Labon. Quelle partie dans la maison? Bon Fanima, Assoudo Labon. Aïcha l'a fait, le lit de Aïcha, on a dégagé le lit. Aucun l'a fait, ne boit qu'à Doukolosogi. C'est le lit de Aïcha qui a été dégagé. Ils ont creusé aucun Doukolosogi. Hein? Ils veulent manger le OK. Le jour, on va rentrer dans Raouda. On va essayer de montrer la maison. OK, on va continuer un peu, Inch'Allah. Salam alaikum. Si maman, si je me fatigue, la maman là, elle va quitter dans la chaise, elle m'assoit. Ok. Salam alaikum. Ok. On ne doit pas oublier, hein, la mosquée là, elle est âgée de 1445. Donc, on commence à compter à partir de la date où le prophète est venu de la Mecque, venu à Médine. Donc, Inch'Allah. On met tout en cas de ok, cela m'a bé, la meninkela, on y flali, kela, kelingel nambe. Alors, ta la ma, yan yelu noya, cela m'a mounoué, on met doua ou ko bé, krekrenim boloma, maama klove, anani watu yon nala, maama ben an lamen watu kofé, on met doua ou ke bé yan soukuna. Yan ye, alors ta la ka yor bele bele, a kachiden sabati la yoromi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Anaka demaya kam misiri donc ri alahu ta'ala sona amena duwuke kere kere ninke aw kelengeli nam bela kafoni albisa ya yeli alama no ya salama bela kafoni albisa maminu be furuko la kafuru no ya salama be maminu tawye sabako ye ka aladien ka sabe baraka madu bema maminu tawye banu ye ka kenya di be kelengeli nam ba maminu tawye sabako ye ka sabe baraka madi bema maminu faw ye sus ke kala ya fa am faw kelengle nam bema maminu ba ye sok se ke kala ya fa am baw kelengle nam bema maminu mansaw mangene ga kenya do mansaw ma maminu be fa ko mansaw lado ko ta ko se ko ko mansaw ye ni seto ye kala dien ka se baraka ma do bema amalaw ta la dali maminu be den ko la ka dem baraka ma di islam bema
maminu be denko la ka den baraka ma d'islam bema maminu yara be furucha kula ka furucha nyuma d'islam muso bema islama munu be furu muso kula ka furu muso nyuma d'islam kelengle na bema alhamdulillah nous sommes avec l'équipe on visite un peu la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam un lieu historique un lieu où à l'époque c'est ici on séchait les dates hein katamaro laja feritani do on ka terrain et tumbe tamaro laja yoro le tumbe mais yoro laja bi ni allah taala ka se anaka korotai allah taala ye baraka mun do ni yoro la wallahi aminu faslama wi ma foite ni me se ka dankari ni dina la afangate mala sete mai ala yoro ku qur'ana kono ويريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ونكل لنيني مونيكا الله تعالى كدينا نفغنو دافنوي و اها امنا اكسبليكاسيون ني نيفه نالا سنا ني تيراكا يورباو دي ايماجينو او اونكا Chidem bele bele tume boyane katoka tama. Sheikh Mauro. Tuma do re kira re ya sinjo yoro do la tuma do re men an sinjo do kira sinjo no ka re ta do. Eh madam anaka bume yani. A ika bume yoro yoro ko ni tama do keli bola kere fe ro na do. Donc ama jigi man ala bien ka an sinjo nam lay ala mo kala. Kada ko kudo ni lomba ya Allah taala di. Ça va? Après moi-même, j'ai cherché ça aussi pour bien m'asseoir dedans. Hein? Hein? Je suis là, je suis là, je suis là, mais il faut nous dire c'est ici. C'est par là. Non, on va rentrer dedans même prochainement. Mais on va à partir de là. Tu commences à me dire. Non, mais il t'a ici, je vais te montrer. C'est comme si je voulais vous dire. Il dit que vous avez touché. Pas ici, il va se reposer. Inch'Allah, tu as raison. Tu vois comme madame prend soin de vous. Hein? Après ici, là, il doit se reposer. C'est important. Non, je vais te dire, à partir de là, voilà, je vais le dire. Moi, c'est mon autre. Inch'Allah, je vais le dire. J'ai demandé à combien de kilomètres. Je suis dans le vent comme ça. Là. C'est tellement long, large. Voilà. Peut-être tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu du lait. Et quand on a une flamme en nonomi. Tu n'as pas vu du lait. Sinon, tu as la voix. Je n'ai pas. Du lait, le lait. Le lait? Oui. Comment est-ce qu'appel peut venir à la Mecque sans lait? Non, tu sais, moi, je suis peu intelligent. Dis-moi, c'est quoi, rien. On connaît les pelles, ils ont géré les bœufs pour avoir du lait. Lui, il ne faut pas l'écouter. C'est un trafiquant. Lui, il connaît que l'argent. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. On s'approche de la maison du prophète.
Dès que nous sommes là, je vais vous montrer la maison en distance, sa maison, la maison de Aïcha, dans la chambre où il a été enterré. Enterré. Inch'Allah. Mais Aïcha, c'est Aïcha qui s'est occupé du prophète ou c'est le prophète qui s'est occupé de deux. Il y a vraiment une relation serrée entre eux. Exactement. C'était un exemple, un couple exemplaire. Mais il faut dire à nos femmes aussi d'être exemplaires comme ça. Inch'Allah. Il faut les conseiller. Ils vont passer devant. On est relax, on ne se gêne pas quand on. Tu viens t'arrêter. Comme tu connais déjà, et qu'à tel numéro long, tu peux venir, tu peux passer, tu dis assalamu alaikum ya Rasulallah, et bien, à la carafo. Ici, là, ceux qui font l'accueil ici, là, c'est pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on est rentré ici hier. Est-ce que vous avez salué le prophète? Est-ce qu'on a la carafo, Folo? Est-ce qu'on a la carafo? Si c'est, est-ce que tu as salué ton prophète? Vous pouvez saluer vous. Amena baki afle nambana amena alo akuni alan ça va vite meni bate kwa inshallah ki ala fas chel beram na musul te de amena musul ta mafle quel que soit le problème musul la de robe inshallah. C'est ton fils qui a décidé de t'asseoir. Ça va maintenant? Mena explica doni di baqiya ame banga na sha ni baqiya ni baqiya.
Ici, on va passer à nous sommes arrivés à Bakia. Bakia est la malle la Kabourso Belebele Forolé. C'est ici le grand cimetière Al-Baqiya. À l'époque, on appelait Al-Gharkad. Tant que nous sommes là, il faut que Gharkad. Il y avait des herbes ici à l'époque. Mais le prophète, il a choisi ici comme le premier cimetière musulman. Akayane choisi comme Islam, il y a Kabourso Folo. Regardez comme qu'est-ce qu'il faisait. Regardez, sa maison est là, tout juste là. Vous voyez le truc vert là, en bas. Alors que là, tu me bois, il souffrait la nuit. La nuit, il venait. À tout moment, dans Kabourso là, à tout moment, dans Douaouké, il priait pour les martyrs. Un jour, le prophète, il se lève tout doucement à Ouli là. Kaya Samara Bla Kabakore, il a mis sa chaussure ici. Aïcha dormait. Les femmes sont toujours jalouses, hein, c'est normal. Le prophète a marché tout doucement. A Oulila Katama Dondoni, à Bouala. Aïcha dit, mais lui, il va où la nuit là? Alors qu'il a Tamana Dondoni Kana. Aïcha avait tourné quoi? Aïcha le suivait. Aïcha a vu que non, non, non. Alors qu'elle venait ici. Après, elle s'est retournée pour aller. Kofa Kako se Katabona. Parce que tu me tournes à Tchako, là, y'en a Tchabe Dala, tu m'as dit. Musol la kele anto yorofola avec famoteva donc ala kera nana ka duwa u kalue abana ka kosegi kata atala se buna il a ok qui a la salasa ala salasa ala salasa sakar ok adalaka Adalaka, Adalaka. Ah, juste. Adalaka, la fête de la banane. Allez, on va filmer là.